Francis Ruhl, 6 minutes avec Joëlle Bertossa, elle est coprésidente du Parti Socialiste Ville de Genève et on va parler de ce dégrappage au paquis. Bonjour Joëlle Bertossa. Bonjour, merci de l'invitation. Merci à vous d'être là ce matin. Pourquoi vous n'avez pas participé à la facture pour le nettoyage du Grand Théâtre en 2015, Joëlle Bertossa? Pourquoi? Parce que finalement, c'était une situation identique à celle des paquis. Des manifestants qui dégradent un lieu public pour protester. C'est exactement ce qui s'est passé au paquis. Et pourtant, là, vous proposez de payer, votre section va payer une partie de l'amende. Oui, alors je pense qu'il faut noter quand même plusieurs différences importantes. Tout d'abord, on a réagi à une chose, la tenue de cette séance extraordinaire qui avait été demandée par la droite, qui pour nous était une totale aberration. Demander des explications? Non, les explications peuvent être demandées autrement sans que ça coûte 35 000 francs aux contribuables. On savait qu'elle n'allait pas répondre parce qu'une enquête avait déjà été demandée par le conseil administratif. Il aurait plutôt fallu attendre les conclusions de cette enquête pour réouvrir le dossier. Ça, c'est la première chose. Donc c'était en réaction à cet argent qu'on ne voulait pas garder mais redistribuer d'une manière ou d'une autre. Et puis l'action est quand même très différente. On parle là d'urgence climatique. D'ailleurs, on aurait souhaité que ce soit ça le sujet dont la presse et le reste s'emparent. On regrette une certaine lenteur dans la mise en place et on a souffert quand même tous et toutes, tous les jeunes voient cet été, de cette chaleur et du manque de végétalisation en ville. Donc ces deux associations, il ne faut pas oublier que la SURVAP, c'est une association d'habitants et d'habitantes du paquis, qui n'est pas une association riche, hein, qui défend quand même les intérêts des paquisards. Et puis Active Trafic rejoint aussi totalement nos buts. Après, je souligne qu'en aucun cas on ne défend et on ne pousse à des actions illégales. On n'est pas pour évidemment la dégradation de l'espace public. Là, il se trouve quand le fait que... Même si vous payez leur amende... Non, on ne paye pas leur amende. On ne paye pas leur amende. On donne l'argent qu'on a gagné suite à cette séance extraordinaire à deux associations. Elles en font ce qu'elles veulent. Oui, on se doute bien qu'ils ne vont pas acheter des ballons et faire une fête en cotillon au milieu du paquis. Elles en font ce qu'elles veulent. Donner de l'argent à ces associations, c'est quand même aussi soutenir leur action. Non, c'était, alors il y avait, pardon, je suis pas allée jusqu'au bout, excusez-moi si je parle beaucoup, c'était aussi suite aux conclusions du rapport, il nous semblait, parce que les associations étaient venues nous voir d'ailleurs tout de suite après l'action, il nous semblait que les conclusions ne prouvaient pas qu'elles n'avaient pas pu penser en toute bonne foi qu'elles avaient reçu un accord, alors évidemment pas écrit, mais un accord oral pour cette action. Tout de même, ne trouvez pas choquant qu'un parti politique pour des dégradations qui sont commises sur le domaine public? Non, mais de nouveau, on ne pousse pas aux dégradations dans le domaine public et on ne paye pas pour ça. On verse ces jetons de présence à ces deux associations pour les raisons que je viens de vous expliquer. En tout cas, c'est une décision de verser cet argent. C'est une décision qui fait réagir, à commencer, ça ne vous étonnera pas, par le président de la section PLR de la ville de Genève, Kevin Schmitt. On l'écoute et je vois que ça vous fait déjà sourire. Le conseil administratif à majorité de gauche a déclaré que la réhabilitation de la chaussée ne coûterait pas un sou aux contribuables. Eh bien, de facto, le Parti Socialiste vient de faire mentir le conseil administratif. Le Parti Socialiste a décidé de reverser l'argent du citoyen qu'il aurait attribué à titre de l'exercice politique qu'il pratique au nom et pour le compte de ses citoyens à deux collectifs qui se sont récemment rendus coupables d'actions illégales. Vous faites donc mentir un conseil administratif de gauche, Joëlle Bertossa? Non, on a quelques interrogations sur les conclusions du rapport. Non, mais cet argent, on est quand même d'accord que c'est de l'argent qui est payé par les citoyens, puisque ce sont les jetons de prévengeance, pardon, donc c'est de l'argent des citoyens qui va servir pour ces associations qui ont dégrappé le bitume au paquis. Oui, mais ces associations sont en fait constituées de citoyens et de citoyennes. Et qu'est-ce que M. Kevin Schmitt fait, lui, de ces jetons de présence? Ouais, écoutez, on lui pose la question. En tout cas, il met en place des boîtes à idées dans au paquis pour répondre aux questions des citoyens. Alors, il y a aussi le côté un petit peu politique dans cette affaire, puisque certains disent que le PS tente un coup politique pour s'attirer le vote des écologistes. Ah, c'est vrai qu'il dit ça. On a toujours, non, à part ça... Vous prenez des grands yeux ébahis et surpris. Il n'y a pas une petite intention politique quand même derrière? Non, alors peut-être naïvement pas de suivre nos convictions qui ont toujours été. On a fait des campagnes avec les Verts et on continue, c'est nos principaux alliés, à lutter contre l'urgence climatique et l'urgence sociale. C'était quand même les deux lignes de notre programme. Donc il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que les socialistes soient convaincus du combat contre le réchauffement climatique. Et en ça, on sera toujours en accord avec les Verts, qui sont quand même nos principaux alliés. En accord avec les Verts, mais les Verts, on les sent quand même un petit peu froissés parce que ils estiment quand même c'est un coup dur porté à Frédéric Perler, la magistrate en charge de ce fameux dossier, puisque quand même, c'est dire, c'était quand même pas très clair, vous dites que vous les avez pas soutenus, mais in fine, vous les avez un peu soutenus, donc du coup, nous, on va payer pour les aider à payer cette fameuse amende. Voilà,
recto sensu, comment c'est reçu? Oui, alors on n'a jamais visé directement Madame Perler. Directement. Je pense au contraire qu'elle a très bien géré. Elle l'a dit dès le départ qu'elle prendrait toutes les responsabilités de ses affaires. Elle l'a fait. On a peut-être émis quelques critiques sur ses services de communication et la manière dont cette histoire a été gérée à l'interne. Ça, c'est vrai, le rapport le montre d'ailleurs. On dit souvent que c'est la faute du chef quand il y a un problème en interne. Oui, parce que c'est bien de pouvoir tirer sur quelqu'un. Frédéric Perler est toujours la femme de la situation? Oui, moi je pense, et vraiment, elle a des belles réussites à son actif, qu'on soutient, comme c'est les pistes cyclables, tout ce qu'elle fait pour le 30 km/h, les aménagements de la rue de Carouge. Nous, on reste complètement alignés et on la soutient à 100%. Vous irez l'embrasser lors de la prochaine séance du conseil municipal? Avec grand plaisir. C'est ce que disait Judas à Jésus. Merci beaucoup, Joël Bertessa, co-présidente du PS Vite Genève. Vous voyez, ça c'est Béatrice Rull. Quelque chose qu'on ne voit pas venir et elle bim à la fin. Elle l'avait préparé. Pas du tout, pas du tout. Excellente journée à vous.